Bonjour à tous. Bonjour. Comme je dis, hola a todos. Comment estás? Pour les gens de Russie et d'Ukraine, привет. And hello everyone. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On est là pour ça. Et aujourd'hui, nouveau titre de Ginger, vidéo officielle by Napalm Records. Vidéo sortie il y a donc quelques jours, donc nouvelle vidéo, juin 2021. Le titre, ben, Vortex. Alors, c'est une vidéo qu'on découvre tous les deux en même temps. Donc, une vidéo que je n'ai pas vue. On l'a La réservée pour la première fois. réaction, car elle non plus n'a pas vu. Donc, Non. we never hear this video. On a essayé. Translation in French for Carol. I think it's wrong. Je pense que c'est une mauvaise traduction, comme d'habitude. Voilà. Il y a des mots qui ne sont pas à leur place, n'ont pas de vraie signification. Le mot balle, c'est ballon. J'insiste dessus pour la traduction, donc rien à voir avec les écrits sur les balles. C'est plutôt bullet, donc bastos. With weapon, bullet for weapon. It's not a good translation. C'est pas une bonne traduction. We try to compare with depression of suicide, you know. Ça parlerait plus ou moins de. Alors bon, on va un petit peu zapper ça. On va zapper les traductions. Donc j'ai essayé un petit peu d'analyser et nous on va écouter. Réagir sur le dernier Ginger Vortex. Voilà, je pense que j'ai fait un petit résumé vite fait. Et voilà. Voilà, je voulais voir à peu près de quoi ça parle parce que j'ai pas réussi à mettre les petites traductions. Donc on va lancer le morceau directement et puis C'est parti. c'est parti. Comme on dit. Yes. Ça commence. Like a feather, I travel down. This part of the sky.
C'était court. Ouais. That was too short, this video. But amazing. Seems like usual, comme d'habitude en fait. Muy bien. Alors, morceau Vortex de Ginger. Une nouvelle composition en fait. Donc, pour les paroles, j'ai pas tout analysé, mais dépression, suicide, je sais pas en fait. Je pense qu'il y a peut-être un lien avec le vortex. Après, visuellement, belle vidéo. Au niveau vocal, c'est belle harmonie, elle a des vibes, elle a une séquence vocale. J'adore son timbre de voix. C'est vrai que c'est pas sans rappeler certains vibes de Amy Winehouse. Oui. Sachant que Tatiana était fan, elle a alors je sais plus où, un tatouage sur elle de Amy Winehouse. Si je me trompe pas, c'est le bras droit. Right arm, bras droit. Si je me Bras trompe droit. pas. With a tattoo about Amy Winehouse tribute. Ouais, pour en souvenir. Pour son gros, après, son grow, il est puissant. His grow is very deep, powerful. Je me demande en fait. Alors, le grow dépend de deux choses pour les vocalistes ou les voice teachers, pardon. Donc, c'est une compression au niveau du larynx pour faire vraiment un son. Et après, je pense que ça joue un petit peu au niveau du au niveau du diaphragme ici. Donc c'est, mais bon, chose vraiment. Enfin, son gros L est très. Enfin, il est vraiment. On dirait un mec, quoi. C'est masculin, quoi. It's a man Si tu la voice. vois pas, tu dis c'est un mec en fait qui est en train de chanter. Ouais. Ouais. Si on ne voit pas qui chante. If you don't watch Tatiana singing, you ask himself a question: is a man or is a woman voice? Because it's so deep, it's so demoniac voice, seems like a monster, you know? C'est vraiment une voix monstrueuse, c'est le mot. Parce que moi, la première fois, j'ai cru que c'était deux personnes différentes qui chantaient. Et en fait, moi, Ouais. j'étais dans une pièce à part, je n'avais pas vu c'était qui. C'était la surprise. Voilà, c'était la surprise. J'ai cru que C'est c'était à deux, un homme et une femme. quand tu as découvert Ginger, ouais, parce que beaucoup de réactions de gens qui coupent la vidéo, on se disait, She's her. She's her. Oui, c'est elle, en fait. Ce son, oui, c'est elle. Il suffit simplement de l'avoir simplement répété chez elle ou même pas en studio, et on comprend qu'après, tu as tous les arrangements, les harmonies, je parle d'arrangements, le son, la voix avec la musique, c'est ce qui crée une harmonie, même si elle a cette voix. De toute façon, entre ces deux voix, c'est une performeuse. Hein. Il y a d'autres groupes. Je fais une réaction par exemple sur Arch Enemy, pour le dire en anglais, mais c'est un petit peu fait, c'est encore différent. Tatiana is a beast. Et qu'on va Is la a queen. voir au mois de septembre. Oui. Oui. Au mois de septembre, donc Ginger passe à Reims. Voilà. Donc, j'espère qu'on pourra y aller tous les deux, selon le travail. Moi, j'y vais toujours, hein. Voilà. Moi, j'irai peut-être tout seul, In mais j'irai. September for this year in France, for Ginger's Life and Reims City is the city of champagne, non? Dans toutes les langues, Reims, voilà, Champagne. champagne. To go, going to the live blah, blah, blah.
to Ginger, I hope for me, for you, it's okay, but it depends on work strategy, work time. Ah, shit. I'm so sad. It's life. C'est la vie, hein, en fait. Donc, voilà pour ce morceau de Vortex. J'espère qu'on n'aura pas été trop long, mais bon, c'est de la réaction. Il faut qu'on communique. Autre chose? Non, c'est moi. What else? Un expresso. What else? Ok. Voilà. Encore une fois, merci à tous les gens qui like ou qui ont souscrit. On essaie toujours de répondre. Alors, quelquefois, quand on pose une question, d'avoir dit un petit coucou en espagnol, on me renvoie quelquefois un message en anglais d'un hispanique, et moi, je lui réponds en espagnol. Voilà, comme ça, c'est fait. Donc, on salue tout le monde de Argentina, Inglaterra, Allemagne. Ça, c'est des pays que j'ai dit en espagnol. Tu m'amuses, là, hein? Non, mais tous les gens d'Asie, des États-Unis, d'Australie, il y a un peu tout le monde. And thanks a lot from Ukrainian people. I just say, привет, спасибо, et пока. For Russian or Ukrainian people. Et pour tout le monde, on vous remercie. Hein. Oui. Alors, on espère que notre réaction vous a plu. On voulait juste un petit peu... faire une réaction, nous on le fait un petit peu à notre manière, voilà, et comme je dis quelquefois, it's most important, c'est pas après des décennies entières de métal, donc on n'est pas censé tout connaître, même si je connais quand même pas mal de choses. Après, on est deux styles différents, on fait des réactions différentes, parce que Karel, qui est plus gothique, n'est pas spécialement métal à la base, donc si vous... Oui, quelquefois que je suis réactif sur certains morceaux, je ne connais pas tout non plus, ou presque. Oui. On va dire ça comme ça. Et ça, c'est là. Les généreux, les généreux. Voilà, c'est là peut-être aussi le fait de faire un petit peu de musique. Enfin, un petit peu, je suis voilà, chez moi avec ma basse, comme un grand. Mais bon, on essaie de faire des réactions. Alors, j'avais une demande d'une personne qui me demandait il y a 2-3 semaines. Si on ne faisait que du métal. Donc je réponds non. On peut. J'ai eu des. Enfin des. On fait de tout. On fait un petit peu de tout. Il y a des choses qu'on ne fera pas. Je veux dire des choses ringardes. Ridiculous thing for reacts, not for Carol and me. But many different styles. For example. A request for Morissette. Why not? Et ça peut être autre chose, ça peut être. On m'avait demandé une requête sur un rappeur américain comme NF. Donc, j'écoute pas de rap. On n'écoute pas. Enfin, après, il faut être éclectique en musique, mais on écoute un petit peu de tout, en fait. Enfin, un petit peu tout, essentiellement du métal. Enfin, ça, c'est après pour ma part, mais après, moi, personnellement, dans ma culture musicale, ma palette est très, très large. Ça va d'un ténor à un soprano, donc je peux aussi bien jouer, même à la rigueur, du Beethoven, des adagios, des sonates. Annie Cordy, par exemple. Annie Cordy. Ah. Ça, c'est un petit délire entre nous, hein, c'est comme ça. On fera une vidéo sur Tata Yo-Yo. Ah oui, savoir qu'est-ce qu'il y a sur son gros chapeau. Oui. Allez, enfin, c'est... Je vous le dirai pas. Voilà, non, c'est histoire de voilà. We can making a video, but we can to logs and joke, just for enjoying, just for pleasure. On peut rigoler, on peut voilà. It's more important to relax today. On ne peut pas toujours être sérieux. Voilà. Not serious every time. It's just for
for feeling in between us, you know. C'est juste pour du feeling entre nous, voilà, on fait comme ça. It's time to close this reaction and to say goodbye. Don't forget this. And see you next time. Thanks a lot. Thanks a lot. Au revoir. Bye-bye.